À la fondation avec Chartrand de la FATA. Et en 85, ben, je quitte la caisse populaire. Et là, Chartrand me dit Kiki, à la FATA. Et à la FATA, je deviens trésorier. Je dis à Michel, je dis, on va manquer d'argent pour faire les payes. Hein? On va manquer de l'argent. Je dis, oui. Là, on allait voir, mettons que la CSN nous donnait, je ne sais pas, 10 000 ou 3 mois. Bon, on disait, tu sais, ton 3 mois qui est dû dans 3, de 10 000 dans 3 mois, peux-tu nous le verser à l'avance? Mais tu peux pas faire ça 2 ans à l'avance, là. En tout cas, on avait tout fait ça, mais on n'avait plus d'argent. Alors, Chartrand avait 60 000 $ en 85-86, de REER, qu'il a encaissé, puis il l'a donné à la facture comme ça. Il dit, vous me rembourserez quand vous aurez le temps. Sans signature d'aucun document. On l'a remboursé, ça a pris 10 ans pour le rembourser. On l'a remboursé, puis on n'a pas payé d'intérêt, rien de ça. Et lui a été pénalisé. Quand il a fait son rapport d'impôt, lui a payé des impôts là-dessus. C'était Chartrand.